activiste, un mouvement social qui a commencé le 17 novembre. Des manifestations entachées par des actes de violence. Le 16 novembre, une poignée de manifestants veulent marquer les esprits. Ici à Dijon, la caserne de la gendarmerie est devenue une cible. Les trois hommes en poste à l'entrée sont bien seuls face à la dizaine de manifestants. Mais ils doivent reculer. La barrière vient de céder. Ce n'est qu'à peine arrivé de renfort que la situation se calme. Les symboles de la République sont visés. Sur ces images, filmées par un gilet jaune, des manifestants parisiens entassés sur un engin de chantier viennent de prendre la rue. Ils se dirigent devant le ministère des porte-parole du gouvernement. La scène est enregistrée par une caméra de vidéosurveillance. On y voit un manifestant sonner à l'entrée. Un autre agite son gilet comme un toréador de la rue. Dans la cour, il casse deux véhicules et quelques vitres avant de repartir. Benjamin Grégoire et le personnel du ministère ont été évacués à temps. Si jamais quelques individus, les institutions politiques et médiatiques, les journalistes sont régulièrement pris pour cible, comme ici à Rouen. Alors que le cortège parcourt le centre-ville, l'une de nos équipes est interpellée. Thank you.